Soft. Vous aviez parlé plutôt après Marseille, le fait que ça a été un peu accéléré, c'est quoi qui a fait changer? Pardon? Changer quoi? Non, le fait que ça a été avant Marseille finalement, et même avant Ajaccio. C'est que... ah ben, il faut dire que avec ce que vous avez mis, où est Serge? Il est pas là? Où il est? Il est pas là? C'est son jour de repos. Ouh, alors on ne viendra plus au club Serge. Hein. Moi je dirais, notre entraîneur s'est un peu repris, mais c'est surtout mon fils et Mézi qui ont tout fait. Moi je vous le dis. Et si vous êtes honnête, hein, il y en a certains qui le reconnaîtront. Mais vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite. Je vous le dis. Et j'ai pas honte de le dire. Ça, je ne peux pas supporter des choses pareilles. On a été floué, on a été trompé, on a tout été, et vous continuez à faire des pipes. Mais ça, c'est impossible, ça. Et je ne l'accepte pas. Voilà. Mais on sera correct. Comme tu es Aveyronnais, il est Aveyronnais. Nous continuerons à parler à midi libre. Enfin, j'aime ce club plus que tout. On a fêté les 40 ans du club des supporters. Il y avait des anciens joueurs, ça m'a filé la larmette. Et je me rappelle qu'à l'époque, un peu cher, j'avais 32 piges, tu te rends compte? On en a fait du chemin. Marrant. Voilà. Bon, anecdotiquement, vous n'avez pas un petit nom en tête que vous aimeriez non. Peut-être voir un jour porter le maillot de la paillade? Michel Platini comme directeur sportif. À mon bonheur, eh bien qu'on finisse dans les 10 premiers, tout irait bien. Et puis, je sais pas, il y a un petit truc que j'aimerais bien pour faire voir, hein, c'est qu'on aille en finale de la Coupe de France. J'ai pas dit la Ligue UEFA quand même. Hein. Pour voir un peu l'engouement qu'il y aurait du Montpellier Hérault. Ouais, vivons heureux, vivons cachés, quoi. Ouais, vivons heureux, ouais, bon. Si tu veux. Mais enfin. J'aime ce club plus que tout. On a fêté les 40 ans du club des supporters. Il y avait des anciens joueurs, ça m'a filé la larmette. Et je me rappelle qu'à l'époque, un peu cher, j'avais 32 piges, tu te rends compte? On en a fait du chemin. Marrant. Voilà. Oui. La question qui fâche, vous pensez. Pourquoi? Il n'y a rien qui me fâche, moi. Vous pensez... Je dis toujours ce que je pense. Vous pensez... Que vous êtes charmante, mademoiselle. Allez, c'est bon. Bon, ça vous va? Merci. J'ai assez dit de conneries. Oui. Comme ça, vous avez dit grand mot. Nicolas est enragé. Oui, ben oui. Tu savais comment je leur pisse à l'arrêt. Et puis alors, bien comme il faut. Voilà, poulet. Oh, putain.